d'un crossover des plus intéressants. Donc, d'un côté, un jeu vidéo avec un petit personnage vert. Ah, mais aidez-moi de temps en temps un peu. Merci. Luigi. Non, pas Maître Yoda, ni Luigi. Avec, d'un côté, une présentatrice télé, connue sous le nom de Maryse. Donc on applaudit très fort les gens de Téléachat. Bonjour, nous voici dans notre émission favorite, Téléachat. Dans notre émission spéciale du jour, Légende of Zelda, voici donc le nouveau jouet, Link. Brillant vu qu'il ne parle pas. Cependant, il lui arrive de pousser quelques petits cris dans les moments rudes. Même s'il ne parle pas, il sait très bien se servir de sa langue. Link fait 1m110. Oui, Link n'est pas très grand, mais il a une large et longue épée légendaire. En portant ce bracelet décoré d'un triangle, vous serez sûr que Link ne vous trompera jamais. Il vous suivra même jusqu'au bout du monde, même si pour cela, il doit affronter des milliers de monstres et passer des dizaines de donjons seulement pour espérer vous entrevoir. Oui, Link est un imbécile, mais c'est un vrai plaisir. Alors mademoiselle, si vous rêvez d'aventure, n'hésitez plus. Link est un grand aventurier et ira dans les zones les plus arides, que ce soit des forêts touffues ou des traces montagnes. Évidemment, Link n'est pas exclusivement destiné aux jeunes filles et est accessible pour tous. Link est également un excellent musicien. Et un très beau danseur. D'enlever le mode gay. De plus, Link ne mange pas, ne boit pas et porte toujours la même chose. Oui, Link est très économique. Oh, et un petit bonus sur son modèle. Link rabat toujours la lunette des toilettes. Et c'est fini pour la Magic Zone 2, 102 285 443 rubis rouges. Oh, et deux rubis verts. Payable uniquement en liquide.